أن قوات الشرطة بأن دائرة الأربعاء نينتيرة كانت مقسمة إلى 3 أفواج عمل، بينما كان الفوج الأول يشارك المواطنين في عملية إخماد الحرائق المشتعلة بغابات المنطقة. كان يعمل الفوج الثاني على تأمين وإنقاذ شخصين اللذان كان يشتبه في تورطهما في إشعال النيران، حيث كان يتواجدان بداخل مقر أمن الدائرة. في حين الفوج الثالث المتكون من 4 عناصر شرطة كانوا على متن سيارة المصلحة، وقد تم محاصرتهم ومهاجمتهم. Le directeur de la police a aussi déclaré qu'au moment des faits, la police était organisée en 3 groupes, et que les seuls policiers qui ont été disponibles n'étaient que les 4 officiers qui étaient à bord du fourgon. On peut clairement voir à travers cette vidéo qu'il y avait 6, et non pas 4 officiers à l'intérieur du fourgon. Et un total d'au moins 14 officiers présents sur les lieux au moment des faits. Il y a le chauffeur, et celui assis à côté de lui. Derrière le chauffeur, un 3e qui va sortir sa tête de l'autre côté du fourgon. À sa droite, on voit la tête du 4e au milieu. Et derrière le passager sur la droite, un autre officier debout avec ses 2 mains plaquées sur le côté droit du fourgon. Et derrière ce dernier, un autre aussi debout avec sa main droite plaquée sur la vitre du fourgon. Il a aussi déclaré que les policiers ont été attaqués par la foule. On peut aussi voir qu'aucun policier n'a été directement attaqué sur sa personne. Voir le directeur national de la police, qui est, rappelons-le, à la tête de cette enquête, et qui a pris le temps de voir et d'analyser la situation, en train de manipuler et de jouer délibérément sur les détails des faits. Le moins qu'on puisse dire, est que c'est très alarmant.